partie de moi, de ma personne, enfin, depuis que je suis jeune fille. Et puis un jour, j'ai décidé de me mettre vraiment au travail pour essayer de faire un livre. Et je crois que souvent, en fait, c'est en contrepoint de ce qu'on a fait avant, donc des tentatives, du coup, que j'ai fait auparavant, qui étaient des choses plus autobiographiques. Et là, j'essayais vraiment de me détacher et de créer des personnages et de me projeter dans des personnages. Comme ça, j'ai cru que ça me donnerait un peu de distance. Ben, l'intrigue, c'est le jeune garçon qui est fasciné par la jeune fille, en fait, qui incarne quelque chose de c'est une fille, lui, c'est un garçon, et de quelque chose de très libre. Elle est dans une exploration. De ce qu'elle est, de sa vie, tout ça. Et donc l'intrigue, c'est ça, parce qu'elle est très mystérieuse, elle est légère, comme ça, elle échappe, et donc elle le fascine. Et donc l'intrigue, c'est comme ça, c'est qu'il essaye de comprendre, de l'attraper. Eh bien, on va dire, c'est l'adolescent, pas dans toute sa splendeur, mais si, dans. Qui n'est pas tout à fait sorti de, comme on dit, des rondeurs de l'enfance, quoi. Et donc, il la rencontre par hasard, parce que lui, il est un peu perdu, il sait pas trop. C'est un âge où, voilà, les adultes ont un peu. Enfin, s'occupent pas tellement de lui non plus. Où il se laisse un peu guider. Et donc, à l'école, on ne sait pas quoi faire de lui. On lui propose de faire un stage. Un peu de comme une pas très bonne élève, de faire plutôt quelque chose de manuel. Donc il se retrouve à faire un stage d'été comme ça pour faire quelque chose aussi, parce que les adultes ne savent pas tellement quoi faire. Ça fait un peu à la manière de Roméo et Juliette, peut-être, voilà. Comme ils sont très jeunes. Justement, Roméo et Juliette, c'est qu'est-ce que c'est que s'aimer d'un amour fou à 15 ans? Et donc ça, c'est pour tout le monde, toutes les époques. Après, il y a juste les costumes qui changent, mais sinon, c'est pareil, je pense. De toute façon, on donne toujours sa vision personnelle, particulière, hein. La rencontre amoureuse, à mon avis, ce qui est sa beauté, puisqu'elle peut être aussi tragique, c'est qu'elle amène un bouleversement dans l'existence. Après, qu'on se marie pour la vie ou pas, ou que ça dure, ça, on décide pas forcément, en plus. Sa signification, court vêtu. Eh ben, merci La Fontaine, c'est un peu un coup de chance que le ver, la fable soit remontée à la surface. Parce qu'on cherchait, il y avait un titre qui était pris, et donc avec mon éditeur, on était sur la piste de la légèreté. Comme le personnage incarne comme ça quelque chose de libre, de léger. Et des réminiscences d'école. La fable de La Fontaine, elle collait bien. Le vers est très joli, le titre est joli. Parce que c'est léger et en même temps, ça se termine pas très bien, quoi, pour le pot au lait. Ça sent quand même très fort l'enfermement, la province, voilà. Donc c'est un peu. Ouais, la province, la campagne. Moi, peut-être j'ai connu un peu ça. Donc. C'est des atmosphères comme ça qui me parlent, que je connais. Et puis le rythme du livre, je pense que ça, c'est dû beaucoup au travail de réécriture. Enfin, pas de réécriture, j'ai dû travailler beaucoup, 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 beaucoup. Et donc, il y avait quelque chose de plus ample au début et je l'ai resserré beaucoup pour arriver au cœur du récit, voilà, d'avoir une chose un peu tenue, nerveuse, voilà. Et ça, c'est mon éditeur qui m'a guidée, en fait, pour le recentrer.